Vous m'aviez dit qu'il n'y avait aucun risque. Tout s'est bien passé. Et puis il a fait une hémorragie interne. On a essayé de l'arrêter, mais en vain. Vous avez fait une erreur. Bordel, répondez-moi, est-ce que vous avez fait une erreur? Vous avez fait une erreur? Mais enfin, hey, puisque je vous dis qu'on n'a rien fait de mal. Vous avez fait une erreur. Ça, mais qu'est-ce qui t'arrive? Hé, hey, répondez-moi. Calme-toi, hé. Si jamais je découvre que vous êtes derrière tout ça, vous me le paierez. Ça, hé, hey, du calme. Tu veux que je me calme? Comment tu veux que je me calme, hein? On vient de perdre la seule personne qui pouvait nous servir de témoin. Mais t'as des éléments pour prouver ça, t'as aucune preuve de ça. Y a pas d'éléments, on n'a jamais de preuve, c'était comme ça avec Franck. Y a jamais de preuve avec Tierno. Tu penses que c'était Tierno, Sadie? Cite-moi une seule personne qui serait capable de vouloir la mort de cet homme à part lui. Une seule personne. Issa, hé, ça va? Mais qu'est-ce qu'il y a? Écoute, j'ai pas envie de te mêler à mes conneries et que tu te retrouves suspendu. Suspendu? De quoi tu parles? Tout ce qu'on fait, c'est rechercher le vrai coupable. Et tu me parles d'être suspendu? Pourquoi? Ce qu'on fait, c'est pas des conneries, là. C'est la vérité. C'est tout ce qui m'intéresse. C'est bien beau, tout ce speech, mais commence par gérer la piste d'abord. Et moi, je vais apprendre à Tierno à nous respecter. Et attends! Tu vas où? Maître Mbeng était votre adversaire le plus redoutable. Si vous avez menti à la police, on va chercher et on trouvera la faille. Ah, Aminata, comment tu vas? Mélanie Gradel, seriez-vous complice du meurtre de mon père? Quoi? Moi? Complice du meurtre de Dame? Mais qu'est-ce qui te prend? Paul Gradel m'a dit la vérité. Il m'a dit que Franck était mon frère. Oui, c'est bien vrai. Dans ce cas, Paul pourrait avoir tué mon père. Et dans toute cette histoire, vous êtes forcément impliqué. Aminata, il y a beaucoup de choses que je peux regretter. Mais je n'ai jamais tué. Je ne ferai jamais ça. Quant à Paul Gradel, je le connais plus que quiconque, et il n'est pas capable d'un tel acte. Aminata, tu fais fausse route. Je suis prête à parier sur ma vie que ce n'est pas lui. Soit, mais vous avez quand même empêché mon père de jouir de sa paternité, et à moi, de connaître mon frère. Sachez que je vous le ferai payer très cher, Mélanie Gradel. Très très cher pour tout ce que vous nous avez fait. Aminata! Maître Dabo. Tierno. Quelle surprise, vas-y, entre. Merci. Si je suis venu te voir, c'est que je suis préoccupé. Je suis dans une situation compliquée. Te connaissant, tu dois pouvoir me sortir de là. Dabo. Explique-moi ce qui te préoccupe autant. Je pense qu'il y a des gens qui sont au courant du fait que Dame Beng est la personne à cause de laquelle je n'ai plus le droit d'exercer. Parce que tu as abusé de sa fille. T'es vraiment un pervers. On m'a tendu un piège. Un piège? Et tu t'es laissé prendre? C'était vraiment une erreur de débutant, Dabo. Qu'est-ce que tu veux? Dame Beng... Il m'a privé de mon travail. Et il me fait risquer la prison. Même mort, il me fait vraiment chier. Ah bon? Et comment? La DIC. Je crois qu'ils sont persuadés à 100% que j'ai tué Dame Beng. Dabo. Quoi? Je compatis avec toi. La DIC cherche aussi à me choper avec ce type. Issa Diouf. Mais d'abord, dis-moi la vérité. Tu l'as tué? Tu veux quoi? Dame, rends-moi mon travail, fais-le maintenant. Tu sais que j'ai pas touché la fille, tu peux pas faire ça. Tu veux détruire mon avenir et ma famille.
Ne viens jamais parler de famille devant moi, Dabo. Dégage de chez moi, sale pervers que tu es. Le pervers, il va tirer la peau. Dame. Alors, tu as l'intention de m'aider ou de me lâcher? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tierno, je te connais. Tu as des relations. Je sais très bien que tu peux t'occuper de crises qui font trembler le pays. Je sais très bien qu'avec ton aide, je peux redevenir avocat. Ok. Et moi, qu'est-ce que j'y gagne? Tu sais, les faveurs, c'est pas gratuit. Les Walton Brothers. Je sais que tu les as perdus. Tout le monde sait à quel point ça freine ton activité, mais moi, je peux te les ramener. Je peux servir de lien entre toi et eux. Et comment? Non seulement j'ai mes contacts en tant qu'avocat, mais je reste en plus le conseiller juridique de Mbaï BTP. Sa confiance en moi est inébranlable. Je vais te dire. Quand les Walton Brothers ont perdu le Gradel Worldwide, ils sont venus vers nous. Ils nous ont donné beaucoup d'argent. Mais Mbaï BTP, il a beaucoup de respect pour toi. Il sait de quoi tu es capable, et il te veut dans son équipe. Sache que tu peux compter sur moi. Super. Tu diras à Mbaï qu'il a son nouveau bras droit. Merci, Tierno. C'est quoi ce bruit? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Bébé, qu'est-ce qu'il y a? Tu t'es fait agresser? Mais enfin, chérie, c'était qui ce cinglé? Fais attention, lève-toi doucement. Doucement. Doucement, maman. Oui. Il y a quelque chose dont j'aimerais beaucoup vous parler. Vous connaissez bien la relation que j'ai avec Jessica. Très bien. Oui, c'est vrai. Et vous savez à quel point on tient l'un à l'autre. C'est pour ça que l'on veut se marier le plus vite possible. Alhamdoulillah, je voulais entendre ça depuis longtemps. C'est vrai? Oui. Ah, je suis contente. Alors, c'est déjà décidé? Oui. Hein? Et toutes nos traditions, on les oublie? Fatima, j'ai pas compris. Elle parle de la demande en mariage. Ah! Oui. Je lui disais juste que vous, les jeunes, vous avez votre manière de faire. Mais nous, à notre époque, on était obligés de passer par le père de la fille pour la demande. Fatima, vous ne pouviez pas juste tomber amoureux? Eh, bien sûr! Très amoureux, même. Mais le dernier mot revenait toujours aux parents. Certes, c'est important. Mais ce qui compte le plus dans un mariage, c'est d'aimer. L'amour, c'est très complexe. Mais tant qu'on lui laisse une place dans nos cœurs, on peut tout faire. Le mariage, c'est pas une affaire de quelques jours. C'est pour toute une vie. C'est prêt. Une question, Jessica. Voilà. Merci.
Hey, est-ce que tu aimes Moussa Diouf? Non, attends. Parce que moi, au moins, je suis sûr de son amour pour toi. Parce que je l'ai vu quand tu étais fâché. Il était devenu fou. Complètement. C'est bon, ne remuez pas le couteau dans la plaie. C'est du passé, tout ça. Alors inutile de le ressasser. Mais Moussa, je ne te parlais pas. Ça me concernait. Non, Moussa, laisse-moi continuer. D'accord, vas-y. Hey, Jessica, est-ce que tu aimes Moussa Diouf? Je promets que je l'aime. Ouf, ça va. Voilà, la question est... Mashallah. Alhamdoulilah, je suis rassuré. Bien. J'espère que votre union sera bénie par Dieu. Amin. Ainsi que vos enfants. Amin. Je prie qu'Allah vous garde. Amin, Badara. Je suis tellement contente, j'en perds mes mots. Parce que bon, les cadeaux de mariage, ça fait des années Écoutez-la. Que c'est nous qui les donnons. Et on va enfin en recevoir. Tout un business. Chacun son tour. Et à présent, c'est à nous d'avoir des cadeaux. Ça, c'est vrai. Merci, Jessica. Viens, viens dans mes bras, ma fille chérie. Attention, elle va pas te laisser repartir. Viens, ça mérite qu'on s'embrasse. Félicitations. Je t'avais dit que mes garçons étaient mignons. Hein? Vous aviez raison. Tu vois. Capitaine. Repos. Comment tu qualifierais un policier qui tient régulièrement informé son suspect de l'évolution de son enquête? Je dirais qu'il est naïf, mon capitaine. Naïf? Plutôt idiot. Ne crois pas que je suis pas au courant de tout ce que tu fais. Dis-moi pourquoi t'as débarqué chez Tcherno Sedi. Pourquoi t'es allé menacer chez lui? C'était quoi le but? Vas-y, explique-moi. Est-ce que tu voulais l'informer qu'on avait perdu le seul témoin clé de son affaire? Ou bien lui apprendre qu'il est maintenant intouchable? Je suis désolé, mon capitaine, mais je savais qu'il était à l'origine de la mort de Fifty et que c'était lui... C'est des hypothèses, ça! J'en ai marre de tes hypothèses, Isa. Tu n'as aucune preuve de ce que tu racontes. Et apparemment, c'est quelque chose que Tiano Sedi comprend mieux que toi. Ces caméras de surveillance montrent bien que tu l'as agressé sauvagement et qu'à aucun moment il a voulu essayer de te provoquer. T'appelles ça être pro? Il a voulu porter plainte. T'as eu de la chance. On a pu étouffer l'affaire. Néanmoins, il y a une injonction d'éloignement contre toi. Maintenant, il est intouchable. Et ça, c'est ta faute. Navré, mon capitaine, ça n'arrivera plus. Ça, c'est clair. Je vais partager avec toi les conseils d'un enquêteur que j'admire. Un bon enquêteur doit être un sous-marin. Il n'apparaît à la surface que pour fragiliser sa cible. L'amener à la faute. Tu devrais lui faire perdre pied, mais pas le contraire. J'espère que tu me le feras pas répéter. Non, mon capitaine. Trompé. Une dernière chose, Issa. Sur ce coup-là, tu t'en es tiré de justesse. Et en ce qui concerne le meurtre de Frank Gradel, on n'a toujours pas de coupable. La police est la seule coupable devant l'opinion publique. Et ça, c'est pas dans notre intérêt. Il est temps de prouver que t'as ta place ici, à la DIC. Mike Gradel. Ouais. Vous avez de la visite. Fatty. Que serait ma vie en prison sans toi? Mike. Toujours d'aussi bonne humeur. Comment tu vas? Comme tout prisonnier, en quête de liberté. Je vois que tu acceptes bien ton sort. Sort que je supporte bien grâce à ton aide, bien sûr. J'imagine que c'est pas facile. Oh, bien sûr. Je me morfonds tout seul dans mon cagibi glacial. N'eût été la visite de Fatty, la mère Teresa de la Teranga.
Il y a longtemps que je me serais suicidé dans ma cellule. T'es drôle quand même, Fatih. Attends, t'as oublié à qui tu parles là. Je suis Mike Gradel. Le Golden Boy, rien ne me touche. J'ai de l'argent, j'ai de l'influence. Et ce sont ces deux langages-là qui sont parlés partout dans le monde. Même en prison. Figure-toi que je tire plus de ficelles depuis ma cellule que depuis mon bureau. Bon, arrête de rêver ta vie, Mike. C'est quand la dernière fois que t'as eu de la visite, excepté la mienne, bien sûr. Ta mère est en résidence surveillée. Ton père et toi, c'est pas le grand amour. Quant à ta sœur, elle est sur un petit nuage avec ses fiançailles. Elle n'a pas de temps pour toi. Et parlons de tes amis, tiens. Lesquels viendraient salir leurs vêtements de luxe dans un endroit pareil? Il faut vraiment tenir à toi, Mike, pour venir ici. Ah, donc tu tiens à moi. Intéressant. Je dis juste qu'au-delà de tout, tu es le frère de ma meilleure amie. Et toute cette situation me fait vraiment de la peine. J'espère que tu ne subis pas de mauvais traitements, au moins. Non, ça va. C'est vrai que c'est pas Guantanamo, mais franchement, c'est dur. Je le souhaite à personne. Enfin, à part le meurtrier de mon frère, lui, il mérite le pire. Tu sais, la seule chose que j'ai apprise dans cette cellule, c'est me débarrasser de ma claustrophobie. Je vois que tu as la forme. Fatih, merci d'être venu. Je t'en prie. Que disent les avocats? Est-ce qu'il y a moyen de te faire sortir d'ici? Eh bien, ils savent que j'y suis pour rien dans la mort de Franck. C'est déjà ça. Oui, c'est vrai. Par contre, les charges de troubles à l'ordre public continuent de peser sur moi, donc c'est chaud. Du coup, j'ai demandé à Prince de parler avec son père, et si je suis sur la liste de la prochaine grâce présidentielle... Inch'Allah. Tu seras gracié. Voilà. Merci, madame. Bonjour, Jessica. Bonjour, madame. Bonjour, ma chérie. Bonjour, merci, maman. Madame. Je verrai les documents à tête reposée et je vous appelle, d'accord? D'accord. Bonne journée. Merci. Bah alors, qu'est-ce que tu fais là? Entre. En fait, je ne suis pas venue seule. Ah bon? Bonjour, madame Gradel. Ah, bonjour, Moussa. Entrez, allez. Maman, j'aurais vraiment apprécié que tu l'apprennes autrement qu'à la télé, mais Moussa et moi avons décidé de nous marier. Et il est très important qu'on reparte sur de nouvelles bases. Tu sais, ce n'est pas lui qui a publié l'article qui accuse Gradel Group de blanchiment d'argent. Madame Gradel, c'est vrai que j'ai écrit cet article, mais je n'ai jamais eu l'intention de le publier. C'est mon ex-patron qui l'a fait... Inutile d'en dire plus, Moussa Diouf. Je sais... Lorsque j'ai vu que cet article avait été publié dans plusieurs journaux simultanément, j'ai compris que c'était l'œuvre de quelqu'un qui voulait nuire, ce qui n'est pas ton cas, n'est-ce pas? C'est vrai. Je sais à quel point tu aimes ma fille et que c'est sincère. Donc, je suis très heureuse pour vous. C'est vrai? Mais bien sûr, allez, viens là, mon grand. Attends, il faut que j'immortalise ce moment. Oh, elle est grave, celle-là. Elle est trop forte. Je sais que j'aurais dû vous demander sa main directement. Ma demande a été un peu téméraire. Mais ça se comprend. Quand on aime, on est prêt à tout. Mais pour avoir sa main, c'est à son papa qu'il faudra demander. D'accord. Moi, en tant que mère, vous avez ma bénédiction. Merci beaucoup. Merci. Merci, Ndeya, c'est sympa. On va bien avancer, avec ton aide. De rien. Vous êtes des frères. Cette enquête, c'est aussi la mienne. Si tout le monde pensait comme toi au lieu de la jouer solo, ce serait vraiment bien. Arrête un peu, faites pas genre. Vous en voulez Issa, j'ai compris. Okay. On lui en veut pas. Mais il faut qu'il apprenne. Il ne reste jamais à sa place. Bon, on y va. On va rejoindre les gars.
Je vais être clair. On n'a pas le moindre doute sur le fait que vous êtes coupable. Alors coopérez un peu. On a d'autres dossiers à boucler. Vous perdez votre temps. Nous nous sommes disputés. Oui, c'est vrai. Ça arrivait. Je l'aimais pas, mais je l'ai pas tué. Donc maintenant, vous admettez être allé chez lui. Vous ne me l'aviez pas demandé. Vous m'avez demandé où j'étais ce soir-là. Et je vous ai répondu que j'étais à l'hôtel. Ce qui est vrai. Sauf que... vous avez oublié de mentionner que vous étiez sorti. Oui, je vous l'avoue. Je suis sorti et je suis même allé chez Maître Beng. Mais je ne l'ai pas tué. Pourtant, c'est pas l'envie qui me manquait, hein. Mais je suis jamais passé à l'acte. Vous croyez qu'on va avaler ça? Vous nous prenez pour qui? Certes, je n'ai pas un alibi en béton. Mais vous non plus, vous n'avez pas de preuves palpables. Bon, Maître Dabour. Si vous nous disiez toute la vérité, et qu'on passe à autre chose. Tu veux quoi? Dame, rends-moi mon travail, fais-le maintenant. Tu sais que j'ai pas touché la fille, tu peux pas faire ça. Tu veux détruire mon avenir et ma famille. Ne viens jamais parler de famille devant moi, Dabo. Dégage de chez moi, sale pervers que tu es. Le pervers, il va te faire la peau. Dame, essaye et tu verras que je suis immortel. Personne ne peut me tuer, comme la vérité. Ah ! Tu mérites même pas que je me salisse les mains. Et va te faire voir. Tu ne le mérites pas, vieux démon. Vas-y. Tu ne perds rien pour attendre. Casse-toi. Tu verras. Tu ne peux rien contre moi. C'est tout. Oui, monsieur le ministre. J'attendais votre appel et j'espérais vraiment que vous pourriez m'apporter des éléments nouveaux. Les caméras vidéo montrent que Dabo est entré à l'hôtel à 23h23. Ce n'est pas le meurtrier. Vous en êtes sûr? Le meurtre a été commis aux alentours de minuit 45. D'accord, merci. Mais alors pourquoi insister avec cette piste? Prince, tu es là. Oui, je suis là. Ça va? Bien. Tu tiens le coup? Bon, je me suis permis de t'amener à manger. Fallait pas, mais merci. Mais non, de rien. Installe-toi. Ok. Tu sais que je suis... très content de te voir. Même si j'aurais préféré que ce soit dans d'autres circonstances. Comment tu vas, Aminata Mbeng? Ça va, merci. Je suis désolée que t'aies eu à te déplacer. Pourquoi t'excuser? Mais c'est la moindre des choses, Aminata. J'aimerais être un peu plus à tes côtés pour te soutenir face à toutes les épreuves que tu traverses en ce moment. Justement, Prince. C'est pour ça que je t'ai appelé. Elle n'avance vraiment pas, l'enquête de la police. Ah bon? Je n'ai aucune information, je suis complètement perdue. Ils veulent me donner aucun détail de l'affaire. Prince, j'ai vraiment besoin de ton aide. Je veux savoir qui a tué mon père. Aminata, tu sais bien que je peux rien te refuser, mais là, ça va être compliqué. Tu sais, je vais pas te mentir, ce sera très difficile. Et comme on dit, je te promets pas la lune, mais je vais voir ce que je peux faire. Je vais demander à mon entourage. Ne t'en fais pas, la vérité va éclater. On va y arriver. Merci, vraiment. Et... franchement, je m'attendais pas à moins venant de toi. T'as toujours été correct avec moi. Mais je ne fais que mon devoir, qui est celui de rester droit envers toi. Donc je vais me focaliser sur ce devoir. Et tout en espérant que les choses changent. Laisse tomber. Comment va ta femme ? Aminata, on a divorcé. Pourquoi, Prince? Hein? Elle a ses raisons. Ça, c'est une chose. Mais tu sais, le message que je t'avais envoyé, lorsque je t'ai demandé pardon par rapport à ce qui s'était passé, elle a fini par le voir. Quoi? Bah oui, qu'est-ce que tu veux? Mais t'aurais dû me le dire. Au moins, j'aurais pu intervenir. Mais à quoi bon?
ça sert à rien. Cette histoire, c'était juste... la dispute de trop. Et je vais te dire une chose. C'est vrai que j'ai ma part de responsabilité, je le sais. Mais maintenant, je sais, Aminata, je ne veux pas revenir en arrière. Ça, c'est un fait. Et maintenant, je pense que ma philosophie, ma conception du couple, c'est l'union. On doit apprendre à se comprendre, à se tolérer et pas à se disputer tout le temps. Tu vois, c'était le cas avec Adja. Donc, si elle m'aimait sincèrement, je pense qu'elle aurait pu me pardonner, t'es pas de mon avis. Mais ça n'a pas été le cas. Donc... Prince, t'as sûrement raison. Mais vous avez un enfant. Est-ce que t'as pensé pendant une seconde à l'impact que le divorce a sur les enfants? À l'impossible, nul n'est tenu, c'est ce qu'on dit. En plus, je peux pas refuser le divorce à une femme qui me le demande formellement. Non. Ça, c'est ton orgueil qui parle. Tu penses? Et toi, depuis tout à l'heure, c'est pas ton féminisme qui parle? Mais bref, c'est fait et on ne peut pas revenir en arrière. Et... il faut simplement reconnaître que... je n'ai pas épousé le grand amour de ma vie. Et si on mangeait? Pourquoi pas? Maître Dabo n'est pas notre homme. Eh oh. Qu'est-ce que t'as dit? J'ai dit que Maître Dabo n'a pas tué Maître Mbeng. Ok. Hein? Ok, c'est tout. Je suis dans l'attente du nom de ton suspect. Depuis ce matin, Issa. Paul Gradel. Ok. Et t'as quoi sur lui? Un mobile. Et le fait que je suis sûr qu'il est impliqué. Mais c'est pas suffisant. Seul le mobile suffira. Mais pourquoi tu penses qu'il est impliqué? Faut que je lui parle. Faut que j'aille le voir et qu'il réponde aux questions que je me pose. Issa, arrête un peu de prendre des risques. Aucun risque, Ndea. Je vais mettre ça sous le coup d'une visite de courtoisie. N'oublie pas que mon frère va épouser sa fille. Mustapha et Eddy sont contents du tuyau que je leur ai donné. Et je sais que si j'en parle à Mustapha, tu réussiras à mettre la main sur Paul. Il a un bon mobile, et on sait tous les deux qu'il n'a pas d'alibi. Je sais, mais... j'aimerais qu'on attende un peu. Ou du moins après le mariage. Moussa ne me le pardonnera jamais si je le fais avant. Issa, je t'ai toujours estimé pour ta franchise. Donc me dis pas ça. Il y a une seule et même justice. Pourquoi t'agis pas maintenant? Si ça concernait quelqu'un d'autre, tu te serais déjà dépêché d'obtenir un mandat d'arrêt. T'as raison. Laisse-moi d'abord en parler à Moussa. Ok, d'accord. Mais je sais que c'est pas le seul problème. C'est pas la seule chose qui te préoccupe. Tu sais que tu peux me parler. C'est Aminata. Elle pense que j'ai abandonné l'enquête sur le meurtre de son père. Elle se sent trahie parce que... elle a été là au moment où j'avais vraiment besoin d'elle. Mais tu l'as pas abandonnée. Tu remuciais les terres pour résoudre ce meurtre. Tu pourrais te faire virer. C'est bien ça le problème. Elle ne le sait pas.
Il est temps qu'elle le sache. Et que tu la tiennes informée. Des pistes écartées, de celles gardées. Comme ça, elle saura que tu fais tout ton possible. Tu penses ? C'est sûr. Bon, tu peux me déposer. Après, tu pourras aller voir Aminata. Issa ? Tu fais quoi ? Ça va ? T'as du nouveau concernant l'enquête ? Non. Pourquoi t'es ici ? C'est sans importance. Bon appétit. Issa ? Issa ?